essentiellement de nationalité sénégalaise qui opéraient dans la ville de Louga et environ. On a reçu des déclarations de vol au total au nombre de 6 dans la commune, des 3 commerces et 2 pharmacies. Une pharmacie où il y a une tentative qui a échoué, une autre où ils ont réussi à s'emparer d'un montant de 115 000 francs, plus des tubes de ventilateur. Mais malheur pour eux, lors de leur forfait, ils ont été pris en vidéosurveillance, aussi bien par la pharmacie qu'au niveau d'une boutique, par un individu. Muni de ces images, il y a eu une personne qui avait été identifiée, formellement identifiée, et qui est connue du service pour avoir été déféré pour des faits similaires dans le passé. Aussitôt, les éléments de la brigade de recherche et d'intervention se sont lancés à sa traque. La nuit du mercredi au jeudi, il a été localisé dans un bar au niveau de la commune où il a été interpellé et conduit au service. Lors de sa fouille, il a été trouvé porteur d'une machette et un montant de 304 000 francs. Confondu avec les images de la vidéosurveillance, il a nié en bloc. Mais la percussion effectuée dans son domicile a permis de retrouver la cagoule et l'habit qu'il portait lors du temps de la tentative de cambriolage de la pharmacie de Kerseri Louga. Et aussitôt, les investigations sont poursuivies concernant ses autres acolytes. Et des informations nous sont parvenues qu'il y avait une maison délabrée qui était au niveau de la périphérie de la commune. C'est là-bas qu'il s'est réfugié. Nous avons été avisés également d'une tentative au niveau d'un domicile dans le quartier périphérique où les assaillants, aussi au nombre de 5, sont venus encagoulés et ont tiré des coups de feu et sont repartis bredouille. Les éléments qui étaient sur le terrain se sont déportés sur le lieu. Aussitôt, les constatations faites ont repéré des traces de pas et les douilles ont été ramassées de calibre 12. Toujours dans la poursuite et la traque de ces malfaiteurs, les traces nous ont conduits dans une maison délabrée au niveau de la périphérie de la commune. Lorsqu'on les a interpellés, ils nous ont conduits au niveau de la périphérie de la ville, dans un village qu'on appelle Kersayer, pour le reste de la bande. 2 ont été interpellés et la fouille de leur hutte a permis de découvrir l'arme artisanale de calibre 12 dont ils se servaient, ainsi que les douilles et les cartouches qui ont été retrouvées du moins au domicile dont ils avaient fait l'attaque la nuit même. Fort de tous ces indices et éléments, ils ont été conduits au service et interrogés. Le lendemain aussi, très tôt, une percussion a été opérée dans un village de Mbartoubab. Arrivé sur les lieux, on a pu aussi prendre un autre individu qui était recherché depuis 2020, suivant un mandat d'arrêt qui avait été lancé par le juge du deuxième cabinet d'instruction de Louga. Cette personne aussi a été arrêtée parce qu'elle est apparentée à la personne à laquelle on était allé faire la percussion chez elle. Tout ce beau monde, au nombre de 8, ont été conduits au service. Celle qui faisait l'objet de mandat d'arrêt a été déposée au niveau de la MAC de Louga. L'enquête a révélé que tous ces individus ont une connexion et que les activités qu'ils mènent, ils le font en bande au niveau de la ville, mais aussi dans d'autres localités. Ce qui fait dire que, avec la gendarmerie, nous allons nécessairement continuer les enquêtes pour pouvoir élucider d'autres faits qui sont produits dans leur secteur. Nous appelons aussi la population à cultiver le sentiment de dénonciation. Ce n'est pas quelque chose qui est mauvais. C'est au contraire, ça participe à l'effort de sécurisation de leurs biens. Quand ils verront dans une localité des gens, des jeunes, qui squattent une maison, soit délabrée ou inhabitée, ou bien des étrangers qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, qui s'approchent de nous, nous, on a les moyens et les techniques de pouvoir mener certaines investigations pour savoir quelles sont les raisons de leur présence dans ces lieux-là. C'est l'occasion aussi de remercier les éléments du service, notamment tous les personnes du commissariat central de Louga. Mention spéciale aux éléments de la brigade de la recherche. C'est l'occasion de les remercier davantage, de louer leur courage, leur abnégation et leur persévérance dans la protection et la sécurisation des personnes au niveau de la région de Louga. Merci beaucoup.